Oui, moi je reprends le nom de Biri Rosette, je suis de diocèse de Gouré. Et depuis, j'ai rêvé pour devenir aussi un prêtre. Et je commence dès maintenant à aller à Abuja pour puisse aller continuer la prêtresse. Et je rêve d'aller aussi dans le camp vocationnel, dans le diocèse pour devenir un prêtre congolais, aller aider aussi la communauté et aussi certains gens qui souffrent, après connaître aussi les gens, la parole de Dieu, et puis aussi aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Merci. Oui, moi je m'appelle Biramadi Pio Sokrap, je suis du diocèse de Gouré. Alors j'ai rêvé, il a de cela des années, pour devenir un prêtre. Pire encore, comme j'ai pris le nom d'un philosophe, j'ai aussi l'amour de devenir aussi un philosophe, un cadre, pour soit un bon citoyen dans le futur, pour aider les gens, aider les jeunes à réaliser leur vocation selon le modèle du Monseigneur Régis Ballet, qui a, d'après ses œuvres, il a aussi conçu le séminaire et qui nous a permis aussi de former nous, les jeunes cadres de demain, des futurs prêtres. Alors, je demande à Dieu de m'accorder cette chance de devenir bon cadre de demain, afin que par mes actes et mes pensées, je puisse aider la communauté à bien vivre et aussi à faire le choix d'une bonne vocation pour l'annonce de la bonne nouvelle et au plus éloigné de Dieu. Merci. Bon, moi je m'appelle Yasrabe Mbaïdoum Ourel. Je suis de la paroisse de Dounia, du siège Gora. Je suis né en 2002 et j'avais fait mon entrée dans ce petit séminaire Saint-Joseph de Moukassa en 2014. Et jusqu'à cette année, c'est ma cinquième année. Alors, j'ai vraiment senti l'appel de Dieu en moi. Et je voudrais aussi répondre à son appel. Puisque là, c'est Dieu qui... Tout est par le plan de Dieu. Et si Dieu m'appelle, je suis prêt à répondre à son appel. Alors, moi, j'aimerais principalement suivre l'œuvre de Monseigneur Gabriel Ballet. C'est par rapport à ses œuvres qu'il a quittées depuis en Suisse et nous parvenir ici au Tchad. Donc, j'aime vraiment poursuivre ces œuvres et aider les jeunes à grandir dans leur foi et dans leur vie. Donnant le 20 janvier 2019, objet, lettre de remerciement à l'association Frère Régis Ballet. Chers amis bienfaiteurs, nous, séminaristes de Donia, sommes très heureux de l'honorable présence des membres de votre association parmi nous. En effet, cette association qui s'est engagée à soutenir cette maison de formation financièrement, moralement et spirituellement, elle est en œuvre de jour en jour pour l'encadrement des jeunes futurs prêtres et cadres de demain. Tout cela, vous le faites dans vos obligations multiples. C'est pourquoi nous vous disons sincèrement merci et que Dieu vous comble de sa riche bénédiction et vous aide à le faire davantage. Que le miséricordieux vous raccompagne jusqu'à votre demeure. Nous ne savons quoi vous offrir, mais seulement que 5 lettres. Merci, les séminaristes. Parce que le départ, il disait qu'il pouvait soutenir l'achat d'un bourse et puis le projet de développement de marketing.
Bien, je suis l'abbé Franklin, directeur du petit séminaire de Donia. Et je profite de cette opportunité, de la visite de M. Raphaël, pour vous adresser un mot de remerciement pour tout ce que l'association Frère Régis Ballet fait à l'endroit de ces jeunes tchadiens qui sont là pour bénéficier d'une meilleure formation pour construire cet avenir, l'avenir de l'Église et l'avenir de ces pays. Et à travers M. Raphaël, je voudrais encore renouveler ces demandes. Nous avons toujours besoin de votre appui pour continuer à œuvrer pour la formation de ces jeunes. Nous sommes entièrement reconnaissants pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous comptez faire pour le bien de ces jeunes dont nous avons la charge. Et pour marquer ce temps, et surtout que pour l'occasion des 30 ans que vous allez fêter du Tchad, je vous envoie cette surprise que je vous demande d'apprécier de vous-même.